Qu'est-ce que vous nous préparez là? Donc c'est des brochettes de gambas, marinées huile d'olive et gingembre, et saisies à la plancha. Wow, vous avez pas un peu peur pour le gingembre là, avec le public qu'il y a ce soir là? J'espère que ça va encourager les gens. Salut l'équipe, comment va? Ça va très bien. Elle est un petit peu exiguë votre cuisine là? Elle est exiguë mais elle doit être bonne quand même. Hein. Il n'y a aucun souci, on est en train de travailler des filets de bœuf et du charolais là. Magnifique, tendre, goûteuse. C'est un vrai bonheur en bouche, ça fond. C'est trop bon. Je pense que même je vais y retourner, vous voyez. Mais ne le répétez à personne, c'est une confidence. Les journalistes ne répètent jamais rien. Passez un moment merveilleux et nous on est heureux de vous rendre heureux. On vend du bonheur, recevez-le. Si vous le recevez, vous nous en donnez. Eh ben vous savez quoi? Je vais le prendre le bonheur. Allez. Merci. Bonne soirée, bon appétit. Est-ce que Martine, vous pourriez nous donner une définition du journalisme alimentaire? Alors voilà, le journalisme alimentaire. Alors c'est un zeste de curiosité et une bonne dose de gourmandise. Ah, ça fait envie, il n'y en a plus! C'est un succès pour tout le monde et pour l'équipe qui s'est mobilisée pendant une année. On a la permission de quelle heure ce soir? C'est chaud hein, ce soir. Minuit, on va être raisonnable, une heure, au plus tard. Je compte sur toi. Hein. Monsieur Bell, qu'est-ce que c'est que cette histoire de manger du chocolat en apéritif? Bah, ça change un petit peu du salé et là j'ai fait des petites truffes à l'apéritif, donc avec des épices type cannelle, curry, quatre épices. Et en fin de compte, le feu des épices est calmé par la ganache. Et après, quand on prend un petit verre de vin avec, on a des arômes qui se mélangent et ça passe aussi bien que de prendre du salé. Président Civat, ce congrès, il se passe bien? Pour l'instant, je crois que les retours sont positifs hein, de la vie des congressistes. D'abord, c'est d'abord leur congrès. On a encore une grosse journée de travail avant de penser à des instants de convivialité dimanche. Et les Stéphanois sont accueillants? Dès jeudi après-midi, quand je suis arrivé après 8 heures d'avion et 3 heures de train, on a eu droit à un bel accueil. Ça se passe magnifiquement bien. En tout cas, vous nous avez dignement accueillis. Dignement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Non, mais voilà, je crois que c'est aussi... comment? Un lieu comme ça, je crois qu'on peut être fier de ça. Et quand on peut le faire partager, c'est très bien. Merci. Donc nous faisons une démonstration de forge à 2-3 marteaux, comme il se faisait à l'époque, et toujours encore à la garde républicaine à Paris. Donc on essaie de conserver les gestes traditionnels du métier. Merci et bravo aux meilleurs ouvriers de France. Non, 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 cette loi n'est pas bonne. De quoi parliez-vous tout à l'heure quand vous parliez de soubrette? Là, c'est chouette. On rencontre des collègues, on socialise un petit peu avec la profession, on essaie. Et c'est ça, c'est tout à fait chouette. On coupe, j'ai plus mes fiches, on course. J'ai perdu mes fiches. Moi, l'impro, je vais pas faire.